Bon midi tout le monde, comment allez-vous? Je suis Grace Saint-Gelais du Courrier en direct, ensemble nous sommes forts. Mon sujet aujourd'hui, c'est quoi l'amour? C'est quoi l'amour? Aïe, 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 c'est pas facile. Il y a tellement de perceptions, tellement de passés différents, tellement de croyances différentes, tellement de choses différentes qui fait que c'est quoi? C'est quoi aimer? C'est quoi être aimé? C'est quoi l'amour? Pour vous? Hein? Parce que même quand les gens viennent en consultation avec moi, ils me disent « Grâce, j'aimerais ça trouver l'âme sœur. » Ok. Alors, que cherches-tu? Là, ils se grattent la tête. Qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je veux? Alors, est-ce que tu cherches une relation de passion? Est-ce que tu cherches une relation d'aide familiale? D'aide monétaire avec qui tu vas partager le loyer, l'électricité, avec qui tu vas partager des voyages, mais que ça va être raisonnable comme amour. Est-ce que tu cherches aussi un amour passion ou est-ce que ça va être rare? Ou tu cherches une famille, tu vas avoir des enfants, tu veux passer ta vie avec ta personne. Quelle sorte de relation cherches-tu? Alors, tout dépendant de qui tu es, tu as différentes facettes de ce que tu veux. Et là, il faut que tu trouves quelqu'un qui va partager ceci. Mais comment es-tu à l'intérieur de toi? Est-ce que tu as des croyances qui te limitent? Est-ce que tu crois que tu n'es pas assez bien pour personne? Aller jusqu'à date dans ta vie, est-ce que tu t'es toujours sous-estimé? Est-ce que tu penses que tu n'es pas une personne importante? Est-ce que tu penses que tu ne t'aimes pas assez? Est-ce que tu penses que tu ne peux avoir d'opinion, de dire ce que tu as à dire parce que les gens sont toujours en train de te faire taire? Est-ce qu'on t'a toujours coupé la parole? Est-ce qu'on t'a... dans ton enfance? Alors, tu es aujourd'hui le reflet de ce que tu as cru étant enfant, des croyances que tu as adoptées comme vraies dans ton intérieur. Donc aujourd'hui, tu souhaites trouver l'amour, une personne adéquate pour toi, mais est-ce que tu es adéquat pour toi? Est-ce qu'à l'intérieur de toi, tu as la possibilité de t'estimer, d'approuver ce que tu dis, d'être libre de tes opinions malgré la rigidité de l'autre? Est-ce que tu peux être authentique? Est-ce que tu peux t'aimer? Est-ce que tu peux approuver qui tu es? Est-ce que tu t'offres le respect pour toi-même? Est-ce que tu te choisis dans tous les domaines de ta vie? Est-ce que tu ne t'abuses pas? Toutes ces questions-là doivent être posées et réglées avant même de dire « je veux l'âme sœur ». Parce que même si tu veux l'âme sœur, tu vas encore attirer une personne qui va être le reflet de ce que tu penses de toi-même. Donc, si tu te manques de respect, si tu t'abuses toi-même, si tu t'abandonnes toi-même, si tu te trahis toi-même dans ta vie, si tu n'es pas honnête avec ta personne, tu n'es pas dans l'authenticité, si tu es toujours dans l'ego, les étiquettes qu'on a imposé sur ta tête depuis ton enfance, de te dire que tu es comme ça, alors que ce n'est pas ton vrai moi véritable. Si tu ne t'offres pas de faire tes passions, si tu ne t'offres pas l'amour pour toi, si tu ne t'offres pas de t'approuver, alors comment pourras-tu trouver la personne, l'âme sœur, qui va venir se déposer à côté de toi et que vous allez avoir une belle relation de paix? C'est pas possible. Il faut d'abord s'offrir à soi. À soi. Il faut d'abord être notre propre âme sœur. Il faut d'abord être notre propre âme sœur. Il faut d'abord s'adorer, s'approuver, s'estimer, se choisir, ne plus s'abandonner, se respecter, cesser l'abus en soi. Il faut d'abord être bon, doux, gentil, aimant et s'approuver d'abord en soi pour trouver une personne qui va faire la même chose pour nous. Parce que sinon, on attire ce que nous pensons d'être. Donc, je vous apporte quelques petits points. Je dois d'abord, j'assumerai moi-même mon vide intérieur, mon ou mes vides intérieurs. Donc, tu n'auras pas l'âme sœur qui va arriver dans ma vie à les combler.
Donc, si je manque de sécurité en moi, je dois aller le chercher en moi avant d'attirer une personne qui va m'offrir cette sécurité. Parce qu'elle ne m'offrira jamais la sécurité si je n'ai pas la sécurité en moi. Il ne faut pas attendre que quelqu'un te sécurise. Il faut que tu te sécurises toi. Donc, j'assumerai moi-même mon vide intérieur pour que, justement, je vais attirer quelqu'un qui n'aura pas besoin de me combler, qui va juste être là à côté de moi pour partager ma compagnie dans ce que je pense que je suis. Je ferai confiance, aïe, et je t'en ferai part lorsque je serai incapable de te faire confiance. Ça, c'est difficile parce que quand des personnes ont été trahies par leurs propres parents, quand des personnes ont été trahies ensuite par des conjoints, des conjointes, par toutes sortes de choses, parce qu'ils se trahissaient eux-mêmes et qu'ils n'ont pas réglé ça en eux, eh bien, quand tu cesseras de te trahir à toi dans tes objectifs de vie, tes passions, ta façon d'être, de t'aimer, etc., eh bien, tu commenceras à cesser de te faire trahir de l'extérieur, peu importe la situation, société, compagnon, compagnon, hop, peu importe, tes enfants, amis. Commence par te combler toi. Commence par te faire confiance en toi. Combien de gens disent, hey, on est le 1er janvier, je fais une résolution, je vais faire de l'exercice, je vais arrêter de fumer, bababi, bababa. Et un mois plus tard, tout est arrêté, le 1er février, tout est fini. Ils n'ont pas tenu de résolution. Comment pouvez-vous vous faire confiance? Est-ce que vous pouvez vous faire confiance? Est-ce que vous êtes fiable en vous? Est-ce que vous vous trahissez dans vos désirs? Est-ce que vous allez au bout de vos pensées, de ce que vous avez envie de vivre? Ou si vous vous arrêtez la minute que l'extérieur dit un mot de travers et que vous ne vous faites pas confiance, donc vous arrêtez le processus de ce que vous avez désiré, rêvé. D'accord? Un autre. Je serai présent, tu peux compter sur moi. Est-ce que vous pouvez compter sur vous-même? Tout part de soi. Tout part toujours de soi. Il faut se guérir en soi pour attirer une autre personne qui va être le portrait de ce que nous nous représentons en soi nous-mêmes. D'accord? Donc, un autre, c'est je te préviendrai avant de m'en aller. Les personnes qui ont vécu l'abandon étant enfants s'abandonnent. Donc, quand ça commence l'engagement, quand ils commencent à sentir que là, oh, ils vont être pris dans une relation, qu'on pourrait aller plus loin ou qu'on pourrait, eh bien, on quitte. On quitte du jour au lendemain, sans avertir. Alors, cesse de t'abandonner, toi. T'as envie, mais t'as peur. Alors, lâche la peur et ne t'abandonne plus. Vas-y. Qu'est-ce qui peut arriver? Qu'est-ce qui peut arriver? Rien. Tu es ici pour évoluer. Si tu restes toujours dans ton confort de t'abandonner, ben, tu ne seras jamais satisfait, mais tu es au courant de ce qui se passe quand. Donc, tu t'abandonnes, tu es au courant qu'est-ce que ça fait comme mal-être et tout. Donc, tu préfères être dans ton confort de t'abandonner que d'essayer d'aller plus loin. D'accord? Je te ferai part de mes pensées et de mes sentiments dans la mesure du possible. Combien de personnes ont mal à la gorge, ont des problèmes de glandes thyroïdes, parce qu'ils ne peuvent s'exprimer. Je te ferai part. Donc, ils ont été oppressés étant enfants. Tais-toi, ta parole vaut rien. Ne dis rien dans les familles dysfonctionnelles. L'enfant n'avait pas la possibilité de s'exprimer de qui il était, de sa propre opinion. Elle n'avait pas de valeur. Donc, l'enfant développe sa personnalité en tant qu'adolescent et à l'âge adulte, il pense toujours qu'avec des amis, collègues de travail, conjoints, conjointes, enfants, sa parole ne vaut rien. Donc, il garde tout en dedans. C'est ce qui crée les émotions refoulées, c'est ce qui crée des cancers à 50 ans. Je laisserai tomber les masques en ta présence aussi souvent que possible. Alors, ça va pas aujourd'hui. Je me sens pas bien. J'enlève le masque. Je m'exprime, je te le dis. Je suis authentique. Je te l'exprime.
J'aurais envie de ça. J'aurais envie de sortir. J'aurais envie de faire ça. L'exprimer, enlever les masques. Je ne serai pas toujours d'accord, mais je serai quand même présent et j'exprimerai mon désaccord. Donc ça aussi, hein, on peut bien le voir dans la société, même dans le monde entier, que les personnes se divisent. Et c'est ça, hein, la psychologie. La psychologie, c'est de faire peur aux gens, de les contrôler, de les manipuler et de les diviser tranquillement, pas vite, pour mieux régner. Ça s'est produit dans vos propres familles dysfonctionnelles. Ça se produit dingue dans votre maison, dans votre famille que vous avez créée, parce que comme vous venez d'une famille dysfonctionnelle, vous avez sûrement créé un jour ou l'autre dans votre vie une famille dysfonctionnelle, que ce soit avec vos enfants, votre ex, etc. Et vous allez dans la société, ils le savent. Ils le savent. Moi, c'est très clair pour moi. La lumière a été faite au mois de mars déjà. Dans ma tête, j'étais encore sur mon bateau et j'étais là. Eh ben oui, hein, ils sont brillants. Ils ont été cherchés. Ça croit qu'ils nous ont écoutés, ceux qui sont coachs de vie. Ils sont venus chercher ce qui était les pires choses chez les gens, la peur, la manipulation, le contrôle. Eh bien là, ils vont chercher la peur chez les gens pour mieux les manœuvrer, pour mieux les contrôler. Donc, je ne serai pas toujours d'accord, mais on se respecte. On a le droit de ne pas avoir la même perception, la même vie, le même passé. Quand on parle à quelqu'un, qu'on a eu une enfance très difficile, qu'on a passé 50 ans de sa vie avec une perverse narcissique et que tu fais face à une personne qui a eu une belle enfance, qui a été aimée, qui a été... Oui, il y a des petites choses là, il y a tout le temps des petites choses à travailler, c'est normal, mais qui pour dans l'ensemble ont une base d'amour, une base de sécurité, une base d'être confiant en soi, ne peuvent pas comprendre ce que tu as vécu. Alors, il peut y avoir qu'on va te dire, écoute, tu as juste à prendre ça à la légère, qu'est-ce qui est dit, t'en foutre. Non, 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 ça ne peut pas être comme ça. Tu penses comme ça parce que toi, tu as eu la base d'amour que tu as eue. Mais la personne qui n'a pas eu sa base d'amour ne connaît pas c'est quoi l'amour. Donc, si on continue à perpétuité, comme à la prison, jusqu'à la fin de ta vie, à te torturer l'âme, et que tu n'as jamais connu l'amour, tu ne la connaîtras jamais non plus. Mais l'autre, il a eu la chance de connaître c'est quoi l'amour. Donc, pour cette personne-là, ça va être facile de dire, oh, tu t'en fiches de ce qu'elle dit. Non, tu peux pas t'en ficher de ce qu'elle dit parce que ça a été ça ta vie. Tu n'as pas connu l'amour, tu n'as pas connu autre chose. Tu vois? Une autre chose, je ferai part de ce que je vis. Bien souvent, les gens, et moi-même, moi-même parfois, je n'en fais pas de part. J'ai tellement travaillé fort sur moi-même que je suis arrivée à avoir énormément, un immense coffre à outils et que je me sers, que je me recule, je ne suis pas plaignarde, je me recule et je me dis, bon, je vais arranger mes soucis. Mais parfois, ça fait du bien de partager avec quelqu'un qui peut te comprendre, qui peut te serrer dans les bras, qui peut te donner de l'amour. Tu vois, ça fait du bien des fois. J'assumerai les conséquences de mes paroles et de mes actions. Donc oui, une personne qui a été blessée dans son enfance, une personne qui a été mal aimée, qui vient d'une famille dysfonctionnelle, pourrait parfois faire des erreurs. Et souvent. Et quand on prend, comme vous êtes ici, vous avez sûrement vécu ça, et quand on prend la conscience qu'on est responsable de ce que l'on se fait arriver, on essaie d'être plus doux pour soi et plus doux aussi pour les personnes que l'on aime. Parce que quand on a été énormément blessé et que on n'a pas la conscience qu'on a la responsabilité de nos paroles, de nos actes, on peut être très blessant pour des personnes que l'on adore. Parce qu'on est blessant pour la personne qu'on n'aime pas assez qui est nous-mêmes. Donc, je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que parfois on est dans une faiblesse émotionnelle d'une journée parce que la courbe se fait à toutes les 4 à 6 semaines. Donc c'est pourquoi le GPS voyons, je vais dire, le GPS des émotions là, vous savez l'échelle du GPS des émotions,
que j'ai fait, quand vous sortez à tous les jours votre état d'être et que vous écrivez pourquoi vous vivez telles émotions, eh bien, au bout de 30 jours, vous pouvez voir un petit peu dans quel état d'être, à quelle fréquence vous vivez quotidiennement tous les jours pendant 30 jours et au bout de 2 mois. Et là, vous allez voir qu'il y a un creux. Il y a toujours, entre 4 et 6 semaines, un algorithme qui a un creux émotionnel plus intense pendant, chez les hommes aussi, chez tout le monde, mais tout dépend. Il y en a que c'est 4 semaines, il y en a que c'est 5 semaines, il y en a que c'est 6 semaines, tout dépend. Et qu'il y a un creux d'émotion, que c'est plus difficile cette semaine-là. Alors, si vous êtes dans cette semaine-là et que quelqu'un vient vous piler sur la grosse orteille et qui vous dit une bêtise, ça se peut que vous soyez fâché et que les émotions sont au vif et que la personne que vous aimez le plus au monde, vous l'insultez et que vous lui dites blablabla. OK. Ça l'arrive. Même si on est responsable, qu'on sait qu'on est responsable de ce qu'on se fait arriver émotionnellement, ça arrive parfois que ça déborde. Ça l'arrive. J'accepterai de donner aussi bien que de recevoir. Ça aussi. Hein? Il y a des gens qui prennent l'énergie des autres, qui jouent à la victime. Oui, mais moi, j'ai eu une enfance difficile. Oui, mais moi, je vis ça. Oui, mais j'ai des problèmes. Oui. Non, 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 non. La seule victime que tu es, c'est de toi-même. OK? Les autres autour, tu les emmerdes. Excuse-moi d'être aussi franche, mais tu les emmerdes. Tu les saoules, comme diraient mes amis français, comme dirait ma belle Céline. Tu me saoules. Oui, parce que là, tu ne peux pas être avec quelqu'un qui est toujours dans les problèmes, dans les émotions, qui est toujours en train d'être, qui ne t'offre pas la paix, qui ne t'offre pas l'amour paisible, le contentement d'être heureux. Hein? Alors, j'accepterai de te donner aussi bien que de recevoir. Donc, j'essaierai de te donner ce qui te revient, ce que tu me fais, et je te donnerai de l'amour, je te donnerai de la sécurité, je te donnerai de la joie, de l'enthousiasme, parce que tu es supposé d'avoir comblé en toi ce vide. Et ceux qui ont manqué la vidéo au début, qui viennent d'arriver, je vous en prie, écoutez la vidéo au début pour bien comprendre ce qui suit. Je promets de respecter tes efforts. Ça vient toucher la confiance et de leur accorder autant de bienveillance qu'aux miennes. Parce que souvent, les gens ne respectent pas les efforts que l'autre fait. C'est jamais assez. Ils ont appris que eux, hein, que vous n'étiez jamais assez bien pour vos parents, ensuite pour vos amis, ensuite pour vos, dans un couple, pour votre conjoint-conjointe, vous n'étiez jamais assez bien. Alors, vous avez enregistré ceci. Chaque fois que l'autre va faire un effort, c'est jamais assez bien non plus, parce que vous êtes rigide autant envers les autres qu'envers vous-même. Donc, soyez moins rigide. Acceptez les efforts que vous faites. Je sais que vous voudriez être parfait maintenant, mais être parfait maintenant, c'est de s'accepter comme on est, tel que nous sommes, dans ce que l'on dit, dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, et de s'aimer. Mais ça prend un moment avant d'y accéder. Je n'oublierai pas que mon besoin d'intimité pourra ne pas être le même que le tien. Souvent dans des couples, la personne dit, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin d'être seule maintenant. Et l'autre, ah non, c'est plate, j'aimerais ça que tu sois avec moi là maintenant. Non, 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 non. Respecte mon environnement, mon. Comment on dit ça, là? Mon. Il y a une expression, ça va venir, je l'appelle. Donc, comment on dit ça? Donc, c'est venu sur le bord de la bouche, là. En tout cas, respecte ma bulle, j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin. Il faut respecter cela. Et des fois, c'est pas facile. Quand on est dans un couple, on vit ensemble, on a envie de manger ensemble, mais non, l'autre veut pas. Mon espace vital. Respecte mon espace vital. Non, ça me tente pas d'être collé ce soir à écouter un film devant la télé. J'ai envie de me retirer, j'ai envie de lire un bon livre. J'ai envie d'être seule. C'est pas de ta faute. C'est pas parce que je t'aime pas, c'est pas parce que je veux pas te voir.
J'ai besoin d'être dans ma bulle et de le respecter. Pour l'amour, vous avez besoin, pour trouver votre âme sœur, vous avez besoin d'un examen de conscience sentimentale. Et ça va comme suit. L'acceptation. Est-ce que je m'accepte tel que je suis? Est-ce que j'accepte l'autre tel qu'il est? Puis ça, c'est pas évident. Parce que quand on vient d'une famille dysfonctionnelle, on n'a pas été accepté tel qu'on était. On n'était jamais assez bien, on ne faisait jamais quelque chose d'assez correct, notre parole n'avait aucune valeur. Alors, on est porté comme on se traite ainsi, hein? L'ego, les étiquettes qu'on a sur notre tête, je n'ai pas de valeur, je ne suis rien, manali, badada. Donc ça, c'est là, un beau gros nuage ici, là, qui se promène, qui est menaçant tout le temps. Alors, si je ne m'accepte pas, moi, tel que je suis, comment pourrais-je accepter la personne, l'âme sœur qui vient à moi, sans le blesser, tel qu'il est, ou tel qu'elle est? Une autre chose, un examen de conscience sentimentale, la droiture. Notre relation est-elle bâtie sur l'honnêteté ou y a-t-il des mensonges dans nos sentiments et nos paroles? Ça aussi. L'échange. Sommes-nous capables de communication réelle, de nous exprimer librement dans notre relation, de telle façon que le dialogue soit épanouissant pour les deux? Vous savez, souvent, quand ça va pas avec une personne, souvent, on va dialoguer avec la personne et quand on finit, on se sent mal. Avez-vous déjà vécu ça? Comment je me sens? Est-ce que je me sens libérée? Est-ce que je me sens réénergisée? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens compris? Comprise? Ou est-ce que, à l'inverse, je me sens mal? Je me sens incomprise. Je me sens jugée. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, si vous êtes dans une relation comme ça, c'est pas bon. Dès lors, où est-ce que vous vous sentez mal en la compagnie de quelqu'un? C'est pas l'âme sœur. Ni un bon ami. Ni un bon collègue de travail. Quand je suis à proximité d'une personne et que je me sens mal, c'est pas bon. La compatibilité. Avons-nous des goûts, des croyances conciliables? Pouvons-nous être d'un commun accord sur les choses fondamentales de la vie? Donc, vous avez des valeurs. Vous venez d'une famille, qu'elle soit fonctionnelle ou dysfonctionnelle, et vous avez eu des principes et des valeurs malgré tout. Et il y a des choses pour vous qui sont importantes et que vous ne voulez pas lâcher. Maintenant, vous avez attiré un partenaire de vie qui, la compatibilité semble ne pas faire. Donc, chaque fois que vous avez une valeur, oui, mais moi, je veux que la maison soit propre. Je ne peux pas bien vivre, je ne peux pas relaxer, je ne peux pas respirer, je ne me sens pas bien si la maison est sale. L'autre, son degré de tolérance pour la maison propre, il n'en a rien à foutre. Il laisse les miettes de toast, il laisse le pain, il laisse ses petites culottes à terre, elle laisse, elle hein, aussi, le bordel, hein, elle se change 10 fois de robe le matin. Ah non, c'est pas beau, ah non, j'ai engraissé, ah non, c'est pas si. Et pouf, elle fout le bordel pour la journée, mais l'autre, il reste là, puis il travaille à la maison, puis toutes ses robes traînent. Et il y a de la poussière, ça dépait partout. Voilà, la vaisselle n'est pas faite, etc. Mais l'autre se sent mal. Il étouffe. C'est une valeur banale, parce qu'il y a des valeurs pires que ça. Il y a les valeurs religieuses, les valeurs des lois, les valeurs des principes moraux, plein de choses qui peuvent être incompatibles. Mais il y a des petites choses qui amènent des fois des grosses colères dans un couple, comme « tu ne te ramasses jamais, tu ne m'aides jamais pour le ménage », et puis ça peut faire des colères terribles. Tu vois? Donc, la compatibilité. Est-ce qu'il y a moyen d'être conciliable
malgré certaines différences, mais qui s'approchent quand même. Tu sais, il y en a un qui se drogue, l'autre ne se drogue pas. Il y en a un qui est alcoolique, l'autre ne l'est pas. Il y en a un qui n'a jamais la parole. Sa parole vaut rien, l'autre, sa parole vaut quelque chose. Il tient à ça. Il y a plein de choses comme ça que vous devez regarder. La tolérance. Suis-je capable de laisser tomber mes préjugés pour respecter ses goûts et ses opinions? Comme c'est dur. Surtout quand on vient d'une famille dysfonctionnelle et qu'on a toujours été jugé. Juger dans ce qu'on pense, juger dans ce qu'on dit, juger comment on s'habille, juger comment je veux un tatouage, on me juge, je veux avoir un piercing en tant qu'adolescente, on me juge, je veux avoir des couleurs de cheveux roses, on me juge, on juge qui je serai, qui je deviendrai. Alors, tout ça fait que, est-ce que je peux laisser tomber les étiquettes qu'on m'a apprises de l'ego, parce que le jugement vient de l'ego? Et non, du moi authentique, parce que quand on est dans son moi divin, hein, vous savez, je fais une dimanche, ça commence, comment atteindre son moi supérieur, et c'est en rapport justement à comment arriver à être soi. Et quand on arrive à être soi, on ne critique plus les gens, on ne les juge pas, on les laisse libres d'être et d'exprimer ce qu'ils ont envie d'exprimer. On les respecte. Est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous ne pouvez pas le faire, vous attirerez une personne dans votre vie à côté de vous qui vous jugera autant que vous les jugez. La présence, quand il parle ou quand elle parle, est-ce que j'écoute? Mes belles petites oreilles, tu sais. Est-ce que j'écoute? Ou est-ce que je pense à ce que je vais te dire quand tu auras fini de parler? Mais j'ai rien entendu. Est-ce que je suis dans le jugement dès que tu ouvres la bouche? Alors, est-ce que j'écoute réellement? Est-ce que j'enregistre ces messages non exprimés? Parce que parfois, une personne dit, écoute, il faut que je te parle, c'est important. OK, on s'assoit. Et là, tout de suite, la personne, dès qu'elle commence, plutôt que d'être dans l'écoute profonde et d'entendre les messages subtils derrière, de ce que la personne veut réellement dire. Parce que quand on vient voir quelqu'un et on dit, il faut que je te parle, c'est important, oh, le cœur débat, on est stressé, comment il va le prendre, est-ce que ça va couper notre relation, est-ce qu'elle va être fâchée contre moi, j'ai peur de sa réaction, etc. Ou est-ce que je me sens confiant, etc. Donc, la personne qui ouvre sa bouche pour exprimer ce qu'elle a à dire d'important, elle est stressée. Donc, elle ne le sort pas comme elle aurait voulu l'exprimer. Donc, c'est à toi d'écouter pour entendre derrière les subtilités de la spécification qu'elle voulait apporter dans ce qui est important. Suis-je capable de percevoir ce qu'elle ressent? Est-ce qu'il y a de la peine? Est-ce qu'il y a de la colère derrière? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude derrière? Est-ce qu'il y a de la jalousie? Qu'est-ce que je ressens? Tout en restant détaché émotionnellement. Parce que parfois, c'est le miroir de la propre personne qui dit, qui n'est pas nécessairement en rapport avec ce que tu es toi. Tu as peut-être dit une parole blessante qui a été chercher la personne qui n'avait pas réglé encore en elle ce qu'elle avait à régler. Mais ce n'est pas contre toi. Elle parle pour elle-même. Est-ce que tu es capable d'être détaché et d'entendre? L'indulgence. Est-ce que je condamne ces erreurs sans pitié? Suis-je capable de compassion? Bien sûr que parfois, lorsque tu as fait un bon repas, hein, tu as fait une belle assiette, tu t'es forcé pour que ce soit chaud, pour que ce soit bon, que ce soit la meilleure cuisine que tu as jamais faite de ta vie parce que tu aimes cette personne et tu souhaites faire le mieux pour cette personne parce que tu l'adores et que cette personne te dit « je m'en viens ». Mais que finalement, elle arrive 2, 3 heures plus tard, sans avertissement, sans t'avoir écrit, elle a ignoré tous tes messages, elle arrive. Et là, tu condamnes son erreur sans pitié. Je suis la première à faire ça, des fois. Je me crée une histoire, parce que moi, je suis habituée que je veux que tu me répondes, je veux que tu me dises qu'est-ce qu'il en est maintenant. Mais là, la personne, elle te dit, hé, mais attends! Mon cellulaire était déchargé et j'ai fait une crevaison. C'est pour ça que je suis en retard.
J'étais dans tous mes états. Je savais que tu m'attendais. Je savais que tu avais préparé un super repas pour moi. Mais je ne pouvais pas te communiquer. Mon cellulaire était à plat et j'ai fait une crevaison. Je devais m'en occuper pour rentrer. Voilà. Donc, suis-je capable de compassion et de revenir rapidement et de dire, pardonne-moi. OK, c'est bon. On mange maintenant, ça va aller. Je te referai le repas une autre fois, mais il va être un peu moins bon aujourd'hui, mais une prochaine fois, il sera bon. La considération. Ses besoins sont aussi importants que les miens. En suis-je consciente? Donc, les besoins des autres sont aussi importants que les miens. Il y a des gens qui sont très égoïstes. Oui, mais moi, oui, mais moi, oui, mais l'autre aussi a des besoins. C'est important d'en être conscient. L'ouverture. Suis-je prête à laisser tomber ma carapace et dévoiler mon moi-même, mon moi intime à l'autre? L'ouverture, d'aussi plein de choses. Hein? Comment je pense par rapport à la vie, face à la vie, combien j'ai vu des gens. Hein? Au début du COVID, qui étaient contre le port du masque ou pour, et qui ont inversé les rôles parce qu'ils ont commencé à être en relation amoureuse avec une personne, et comme l'autre personne était contre, ils ont été vers ce que l'autre personne pensait, plutôt que d'être quand même authentique, comme on disait tout à l'heure. Même si l'autre a une autre opinion que soi, est-ce qu'on peut se respecter quand même face à ça? On n'en parle pas, ça ne fait pas partie de notre relation. Le COVID, c'est une autre chose, ça fait partie de l'extérieur de notre vie, de notre cocon douillet. Et si on ne le savait pas, si personne vous en avait parlé, est-ce que vous voyez des morts partout sur les trottoirs? Est-ce que vous voyez des gens qui tombent parce qu'ils ont COVID? Non. Entre vous et moi, en ce moment, on vit comme tout le monde. Comme l'année passée, comme il y a 2 ans, comme il y a 3 ans. Il n'y a personne de malade, tout le monde est en santé. Je ne dis pas que ça n'existe pas, non. Ça existe comme le H1N1, le SRAS et bien d'autres virus, la gastro, la diarrhée. Ça existe, mais pas au point de l'exagération qui est mise autour de ça pour manœuvrer, contrôler et faire peur. Donc, il faut faire attention. Mais il ne faut pas perdre son identité en tant que personne. N'oubliez pas que même si vous devenez en couple et que vous voulez une relation amoureuse parfaite, elle ne sera jamais parfaite. Mais elle pourrait être proche de la perfection si vous êtes dans l'acceptation, la droiture, l'échange, la compatibilité, la responsabilité de qui vous êtes, la tolérance face à l'autre, l'indulgence et l'ouverture d'esprit. Vous devez garder votre personnalité. Vous devez vous aimer plus que vous aimez l'autre à côté de vous. Vous devez vous approuver dans qui vous êtes, d'avoir de l'estime pour vous, de vous sentir en sécurité, que la personne soit là ou qu'elle ne soit pas là. Vous devez être bien seul avant d'être bien avec quelqu'un. Si vous êtes mal, dans un mal-être seul, vous allez attirer une personne avec qui vous serez toujours dans un mal-être. Parce qu'à prime abord, vous étiez dans un mal-être. Donc, vous devez combler vos manques, vos vides, avant d'attirer une personne dans votre vie. Sinon, vous aurez tout ressort. Tout ce qui est de vos blessures avant, qui n'en sont pas guéries, vous l'attirez de la nouvelle personne. Alors, vous perdez votre authenticité pour faire plaisir à l'autre. C'est ce que vous êtes habitué de faire depuis votre enfance. Faire plaisir aux autres. Sinon, vous êtes égoïste, hein? Alors que d'être égoïste, c'est de faire plaisir aux autres. Et ne pas se faire plaisir à soi. Quand on se fait plaisir à soi, quand on est dans la joie, l'enthousiasme, la passion, l'équilibre, l'amour de soi, quand on est dans l'approuvant, quand on s'approuve. Je cherchais, quand on s'approuve, eh bien, voilà. On est bien à l'intérieur de soi. On est bien dans sa peau. Alors, on ne se sent pas toujours attaqué de l'extérieur, de la société, des amis, des collègues de travail et en plus
de la relation avec la personne que nous sommes. Ne perdez pas votre personnalité. On est en couple, on partage. Hein? Il y a deux personnes. Il y en a un ici qui est brillant, l'autre il est moins. Alors, on est deux personnes avec deux personnalités différentes, venant d'éducation différente, de pays différents, de parents différents, de croyances différentes. On a deux personnes qui viennent peut-être d'une famille fonctionnelle, d'une famille dysfonctionnelle, mais la personne a travaillé sur elle. Donc, ouais, on fait un petit poème avec ça, une petite chanson, ta cahier, ta rigodon. Non, mais c'est vrai. Donc, on a deux personnes différentes. On ne peut pas perdre sa personnalité et devenir l'autre. On ne peut pas devenir l'autre. On n'a pas la même vie que l'autre. On n'a pas la même éducation, la même façon de voir. Mais si on est bien avec soi, bien dans sa peau, qu'on s'aime soi, qu'on s'approuve soi, qu'on est en sécurité intérieure, qu'on a guéri des blessures, qu'on s'estime, eh bien, on va s'acoquiner ensemble et ça va bien aller dans le général. Il va y avoir des petites affaires, ça arrive. Mais on se parle par amour, par respect et pouf, ça va. Ça devrait aller. Tu vois? Mais si on a deux personnes super blessées, en colère, dans la maladie de l'âme, de l'orgueil, un est dans la jalousie, l'autre est dans la dépendance affective, etc., eh bien là, c'est des frictions continuelles. Continuelles parce qu'on n'a pas guéri. On n'est pas guéri. On est dans la jalousie. Lui est dans l'orgueil. Elle est dans la dépendance affective. Elle ne vit pas sans lui, donc elle devient dans sa personnalité. Lui, il en abuse, il la sous-estime. Mais pourquoi il me fait ça? Non, il ne te fait pas ça. Tu te fais ça toi-même parce que tu n'es pas guéri. Guéris-toi. C'est ça. Arriver à une vraie belle relation d'amour. C'est d'abord l'amour en soi, pour soi, avec soi, dans tous les sens du terme. Et après, tu peux attirer l'âme sœur. Fait que je vous souhaite un beau week-end. Vous pourrez analyser toutes ces choses que je vous ai mentionnées. On travaille toute notre vie sur soi. Toute notre vie, on travaille sur soi. Donc, désolée de vous le dire, mais vous n'avez pas fini. On en est au début. Je me suis aperçue, moi, dans les derniers temps, que waouh, j'avais encore beaucoup de travail à faire. Mais ce que j'ai d'avance sur les autres, c'est que j'en suis consciente. Et je sais que j'en suis responsable. Déjà là, ouf! J'ai avancé énormément, mais je travaille continuellement sur moi aussi. Vous savez, quand on a des outils, ça va bien. Essaye de faire une maison sans outils, sans marteau, sans tournevis, sans vis, sans scie, sans ça. Alors, c'est dur de faire, de bâtir sans outils. Mais quand on a des outils, qu'on prend conscience, la compréhension, la conscience et les outils font de toi que t'es riche. T'es riche pour te bâtir un château. Tu vois? Alors, je vous souhaite un magnifique week-end. J'allais voir qu'est-ce que vous avez écrit. Françoise, coucou. Jean-Guy, allô, ça va bien? Céline, comment ça va, mon petit cœur? Sonia Alonso, bonsoir Grace, contente de te retrouver en direct. Yes, David, coucou. Bref, la vie n'est pas simple. Bisous. Elle est simple. Elle est simple. Elle n'est pas simple quand on est blessé, quand on n'a pas compris qu'est-ce qu'on est venu travailler, quand on ne remercie pas les gens qui nous ont éduqués des blessures qui nous ont amenés pour s'éveiller à savoir qu'est-ce qu'on a à travailler sur soi comme blessure. Et quand on commence à être justement dans la conscience et la responsabilité et dans la compréhension, ça devient de plus en plus simple. Donc, pardonner le passé, répéter 100 fois par jour, je m'aime, je m'approuve, et je suis en sécurité dans tous les domaines de ma vie, partout où je suis. Véronique de Toulon, comment ça va ma belle? Bonjour! Premier Napoléon, bonjour charmante femme, élégante toujours, un bisou, merci. Madeleine, bonjour, Rachid, you're amazing beauty, merci. Lynn, la peur nous aveugle. Oui, absolument. Yes, c'est ce que je mets en pratique présentement. J'ai passé à côté de l'amour longtemps justement en m'oubliant. Voilà, on se choisit, il faut se choisir soi. Aurélia, plein de petits cœurs avec un gros pouce.
Hey, partagez cette vidéo, elle aidera peut-être des gens. Peut-être quoi? Votre futur amoureux ou votre future amoureuse ou votre âme sœur, peut-être qui s'en vient là. Bientôt, Sonia, merci pour ce précieux rappel. Très bon week-end. Profitez-en bien. Oui, gros bisous. Je vous aime. Prenez soin de vous. Ciao!